Ce résumé vous est présenté par Pepsi Max. Et takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League. Avec une occasion là pour l'étoile rouge, pour Boukari qui donne en retrait. La frappe maintenant. Et le poteau qui vient sauver Joshua Cohen. Énorme occasion pour Kanga. Gaylor Kanga qui avait marqué à l'aller. Aziza. Du bout du pied, ce ballon est négocié avec une frappe qui va venir maintenant. Oui, oui, il a bien fait. Il a bien fait à cet endroit-là du terrain. Dean David. Mais Borjan catapulte de ballon au loin, en direction notamment d'Alexander Kataï. Kataï qui est passé, Kataï dans le grand rectangle, Kataï toujours debout. Oh là, que c'est dangereux, c'est surtout but. 1-0. Alexander Pezic au bon endroit, au bon moment. Il profite de l'excellent travail préparatoire de son coéquipier. Regardez-moi ça, quelle image incroyable. Ce stade Rajkomitic qui explose. L'étoile rouge revient à égalité avec le Maccabi Haïfa. Dejan Stankovic le sait, ce but est important, très important. Il y a une partie du chemin qui vient d'être accomplie, mais ce n'est pas terminé. Mais quel travail de la part d'Alexander Kataï. Allez, il est parti là. Il est parti, Boukari. Le centre en deuxième zone et cette reprise. Oh, que c'était beau! Fantastique Mirko Ivanic. Pierrot qui se fait bouger là. Je suis quand même assez étonné que l'arbitre ne siffle rien. Regardez, on est de l'autre côté, c'est 2-0. Cette fois-ci, il la met au fond. Mirko Ivanic, quel but d'anthologie de la part du joueur serbe. Mirko Ivanic, oh que c'est beau comme but. C'est fantastique pour l'étoile rouge de Belgrade. 2-0 juste avant la pause. C'est Botté en première zone. Il y a Pierrot. Il y a Borjan. Alors que s'est-il passé avec Pierrot? Est-ce qu'il y aurait eu un ballon touché de la main? Je pense honnêtement qu'il va donner le pénalty dans ce duel. Oh, il l'arrête! Il l'arrête, Milan Borjan! Le vétéran de l'étoile rouge qui marque les esprits et qui va honnêtement faire en sorte que son public soit encore un peu plus dingue. Véritable tournant avec une nouvelle tentative et il encaisse! Il encaisse à distance! Daniel Sudgren qui nous met une mine là, incroyable, du pied droit. 2-1, oh, c'est dommage pour Borjan qui arrête le péno et qui dans la foulée, dans les 10 secondes, encaisse un ballon assez fouillant. Sandgren le buteur pour rendre à Chéri. Chéri dans le grand rectangle, le centre vers Pierrot. Et là il faut frapper, il faut frapper Mohamed. Il attend, il frappe à côté. Là, cette perte de balle est cornue qui peut frapper. Oh, c'est le poteau. Borjan sauve son équipe. L'arbitre aurait pu siffler, mais il laisse jouer. Ah non, il revient à la faute. Est-ce que le Maccabi va aller chercher le but de la qualif? Maintenant, c'est parti. Ça traverse.
passe et ça va au fond. Ça va au fond. Le 2-2, le Maccabi Haïfa va se qualifier pour la Ligue des Champions avec ce but à la dernière minute. Incroyable scénario. Du début à la fin, cette équipe du Maccabi Haïfa nous aura proposé des surprises. Ce résumé vous a été présenté par Pepsi Max et Takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League.